Il y a la lumière du jour, mais il y a la lumière à l'intérieur. Donc la lumière à l'intérieur, il faut la ramener comme elle est. Moi, je n'ai jamais utilisé de flash. C'est pour ça que ça permet de ramener l'atmosphère qu'on a vécue, qu'on aurait dans cette pièce. Si je faisais au flash, ben, ça changerait tout. Donc j'amène ce que j'ai vécu, je l'amène dans mon atelier, puis j'essaie de l'interpréter le plus près qui me touche. Vous voyez, il y a des archives. Ces cartons sont pleins de photos. Et tout ce qu'il y a sur la table, tout ça, c'est plein de photos. Et c'est toutes des photos que j'ai tirées sur un vrai papier, parce que maintenant, il y avait deux sortes de papier. Il y a le papier plastique, qui se tire en 2 minutes, qui se lave en 2 minutes. Puis il y a le papier qu'on appelle baryté, c'est le beau papier à photo. Et celui-là, il faut le laver pendant 2, 3 heures, il faut le sécher. Je vous montrerai un original après, parce que c'est important que vous voyez une photo noir et blanc, à quel point elle peut être belle si elle est tirée comme ça. Donc, je n'ai aucun intérêt à faire du numérique, ça ne m'intéresse pas. Si on ne perçoit pas les gens, il n'y a pas de photo. Je veux dire, il faut que les gens, on les aime et puis que les gens vous aiment. C'est-à-dire que c'est entre deux personnes et entre deux, il y a l'appareil de photo. Donc, moi, j'ai un petit appareil que j'essaye d'oublier, de faire oublier. C'est moi qui parle et qui suis là avec mon Leica. Et moi, je suis toujours ému quand je vois des personnages comme ça. Et ces personnages doivent le sentir.